Bonjour, bienvenue à Saint-Paulin de Caisson, dans le Gard, à Chapelle Sainte-Agnès, où je vais terminer ma saison. J'ai commencé au mois de mai à Uzès. Après, j'ai fait Saint-Martin d'Ardèche, ça a été sympa aussi. J'ai fait Gordes, qui était prévu de longue date par rapport au Conseil Général du Vaucluse. Et je termine ma saison, comme je fais d'habitude, depuis 7 ans, à Saint-Paulin de Caisson, dans mon petit village. Voilà mes derniers travaux. Il y en a certains que vous avez vus peut-être à Uzès, peut-être à Saint-Martin. Certains, le 50%, vous ne l'avez jamais vu parce que j'ai travaillé pour cette chapelle que j'aime beaucoup. Et donc, cette saison m'a été quand même très intéressante sur le plan contact, où j'ai eu énormément de contacts avec ce travail et les bons avis, qui d'ailleurs m'ont proposé une exposition à Saigon, au Vietnam. Et une autre pour le mois de mars, si tout se concrétise, à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Puis d'autres qu'on demande encore à voir éventuellement, parce que ça fait beaucoup de travail. Mais parallèlement à tout ça, je vais aussi me mettre un petit peu à la sculpture, j'ai commencé. Donc j'espère l'année prochaine peut-être présenter quelques œuvres en sculpture qui accompagneront certains travaux. Mon travail s'épure. Petit à petit, il s'épure de plus en plus et je mets, d'ailleurs vous devez le voir sur certains travaux, je fais un travail très abstrait. La seule différence qu'il y a avec ces œuvres-là et les petits longilignes, c'est que là, il y a du plâtre dedans. C'est les mêmes techniques, à part que là, il y a un rajout de plâtre dedans. Alors j'espère que cette exposition va bien marcher. Je suis ouvert du 23 novembre au 9 décembre. Je suis ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h, ou alors sur rendez-vous à mon atelier. Je suis sur internet, sinon vous pouvez me joindre au 06 28 07 96 89. Puis ça ne vous empêche pas de venir boire un verre un samedi ou un dimanche.